Chapeau. Pourquoi pas même dans la presse tout côté, mais là tout le monde après la prendre côté bandit kidnappé divers Andy prête acteur l'église catholique. Eh bien il est là dans zone dans commune Croix des Bouquets, mais il y a une conférence haïtienne religieuse qui yo même là où apprendre nouvelle langue qui exactement réagit sous ça côté on dit c'est yo exprimé vraiment profonde douleur yo, la peine yo indignation yo là où apprendre nouvelle côté nèg exam kidnappé ou bien près et paix à casseur dans l'église catholique situation infrahumaine ça côté pays à lui-même là connaît depuis plusieurs années plusieurs décennies ça veut dire que plusieurs dizaines d'années qui déjà passé que pays a connu une situation très difficile question insécurité question la vie chez kidnapping qui passe augmenté. Eh bien, la conférence haïtienne religieuse et religieuse, ça qui passe hier à côté, nèg enlevé, nèg kidnappé plusieurs dans Andy Freyo, dans Seyo, dans la localité, dans la commune Croix des Bouquets. Non, sans ça, il y a une autorité concernée pour capable de prendre diverses dispositions, pour capable de freiner l'action si là. Mais il y a une conférence haïtienne religieuse religieuse, cité non, qui est-ce à mes prêtres actions, ça, yo kidnappé, yo. Ben, nous pouvons citer non ça, selon ça, conférence haïtienne religieuse, religieuse, dit même, nous citer comme père, sœur qui kidnappé, yo. Gagné cinq prêtres qui est kidnappé, yo, même, qui sorti dans société prêtre Saint-Jacques, ça veut dire son congrégation, prêtre qui gagne. Ben, yo, commencé avec non ça, gagné père Evans Joseph, qui est même, c'est père, société prêtre Saint-Jacques, qui enlevé, qui kidnappé ailleurs. Gagné père Michel Briand, lycée ayant prêtre, non, société prêtre Saint-Jacques, mais il y a nationalité française, la résidence française. Gagné père Jean-Nicès Milien, qui c'est un père société prêtre Saint-Jacques, il a kidnappé tout ailleurs dans même, dans quatre kidnappings qui fait là. Gagné père Jorel Thomas, père Hugues Baptiste, qui c'est prêtre archidiocèse cap-haïtien, c'est parmi cinq pères, ça, il va me citer, père, il va me rappeler pour nous de préférence, père Evans Joseph, père Michel Briand, père Jean-Nicès Milien, père Jorel Thomas, Hugues Baptiste, qui est même ses prêtres archidiocèse cap-haïtien. Gagné deux sœurs religieuses kidnappées tout dans la même occasion. C'est sœur Anne-Marie Dorcellus, qui c'est lui-même ma tante Arnel Joseph Pessa, qui lui-même qui t'a pas installé comme père dans Paroissa, côté d'Abgaléa. Gagné sœur Anès Bordeaux, qui lui-même qui est nationalité française, qui lui-même congrégation sœur de la Providence de Pomeraï. C'est là lui-même l'issoti. Gagné trois membres famille, père Arnel Joseph, qui t'es lui-même t'a pas installé, ils ont enlevé tout. Dans machine ça gagné madame Oxane Dorcellus qui c'est maman père Arnel Joseph qui c'est père et société Saint-Jacques gagné Lovely Joseph qui c'est sœur père Arnel Joseph mais qui pas Arnel Joseph ils sont sœur gang qui était gagné dans village déjà faut nous faire différence là dit Jean c'est Jean Arnel Joseph OK et qu'on s'appelle Arélé et gagné Welder Jolie qui lui-même c'est parrain père Arnel Jean Arnel Joseph qui lui-même qui invite aussi mais dans sa conférence haïtienne religieuse religieuse mandé avec toute communauté l'église catholique tout le monde en général pour capable prier pour que paix ça avec sœur ça même gain la vie sans souffre mais nous apprendre tout la vie c'est autant de pile l'argent mais acquisé jusqu'à présent monsieur Kassama Ozoyo dans action ça mais n'a font petit rappel tout à l'heure que nous songez président et dit que yo déma les comment 64 oui combien centenaire mais parmi les gangs qui ont été casés et tout, l'idée était de démanteler M. 400 Maozoyo. Et la frontière rappelle toujours, je change, M. 400 Maozoyo, tu as un bus qui t'a pris mal pas sur ces domaines, tu as levé le coup de balle sur bus ça, et il y a plein de monde qui t'a essayé de voir cartouche dans le bus ça. Ça veut dire que c'est comme ça la situation est même liée. Dans le côté M. 400 Maozoyo, tu as pris basio dans la commune de Bouquet. Hier, là, M. font gros ravage, côté, il a enlevé tout le monde qui est là-haut, qui c'est des prêtres acteurs dans l'église catholique. 5h35. Oui, ça c'est, moi j'en ai toujours aimé dire ça, Blaise, ça c'est mon nom qu'on est.
Oui, exactement. Ça, c'est mon qui gagne. Non, mais sinon, on sait que société a parlé de. Mais il y a plus l'autre cas qui fait pendant le week-end. Là. Oui, et nous avons toujours été sous le même dossier. Ça, Jean, on t'a dit, senti tes gens blessés, on t'a rappelé ça. C'est cet religieux parmi les deux Français qui kidnappaient dans la zone Croix des Bouquets. D'après porte-parole, conférence évêque pays Caraïbes, Yon, AFP, groupe Lategain, Yon, Sœur, Ak, Yon, Père Français, qui était dans la délégation qui t'a participé dans l'installation nouveau curé dans la zone ça. Bandi a exigé 1 million de dollars pour Mounsao Blaise. La police suspecte qu'un groupe gang qui relève 400 Maozo. AFP a contacté l'ambassade de la France en Haïti qui, pour couvrir, réagit. L'enlèvement continue à augmenter dans le dernier mois. Ça a eu dans Port-au-Prince, une ville province. Ça qui pouvait faire son gang après pied dans le pays. Monseigneur Dumas, journal Laté, contacté dans le téléphone. Quoi, ça arrivait trop loin. Moment arrivé pour Zach, une main, ça a suspendu l'évêque, mais à Guadeloupe, fait qu'on a l'église à prier pour. Pour victimes, Figaro rappelé, autorité ont été déclarées, été décrété mois mars là, état d'urgence en sécurité dans zone gang ça va contrôler, ça pas empêcher Zaka kidnapping n'a pas augmenté chaque jour plus. Gagné un premier ministre Joseph Jota qui est même pour tes explications sous sa parole qui t'a fait croire qu'il y a bon rapport avec Bandio. Chef gouvernement rappelé, il t'a dit Bandio t'es relé la lettre fait installé comme chef gouvernement, comme lui habitué répondre tout numéro, c'est ça que fait t'es obligé de répondre yo. Joseph Jota accusé la presse, l'a dit qu'il y a Bandi espace pour évoluer, pour parler libé la journée ou la nuit, mais lui-même n'est pas dans tes langues avec Bandi. En côté premier ministre payant, Joseph Jota. Quand j'ai tapé du temps pour répondre au monde, pour dire que je dis qu'il y a un bon rapport avec Bandi. Mais pas jamais dit ça. Et je ne parle jamais qu'il y a un bon rapport avec Bandi, tout comme je ne parle jamais qu'il y a un bon rapport avec quelqu'un vagabond. Dans quelle que soit catégorie ou bien corporation voyée. Je te dis que moi, Premier ministre, dans la même soirée, je ne sais pas qui va répondre au téléphone, mais tout le monde. Comme moi, c'est un monde qui répond tout téléphone, il n'y a pas besoin de plus de téléphone, on nous relève, je répondre. Bandio n'a pas gagné un seul téléphone. Par contre, si je demande, monsieur Martin, pour lui, ils ont moins la journée. Moi, devant bon Dieu, je ne peux pas prendre qui téléphone pour me. Parce que chaque fois, il y aurait les sous. Tel téléphone, 5 minutes, il y aurait les sous. C'est normal, tu vois, les sous, c'est assassin. Mais les journalistes ont d'autres rejoindre. Et si M. Martin, par vos interviews, avec Tilapi, avec Iso, dans 5 minutes-là, il m'a appelé. Et depuis le besoin, il a pris le fin de garde. Je ne sais pas si on dit ça. Que vous avez les mis. Mais je ne vais pas vous cacher personne, je ne vais pas de connivence avec eux. Ça veut dire, si ils ont réglé la rencontre, pas contre ces gens, je vais répondre. Et personne n'a pas empêché de répondre au téléphone, moi, parce que le téléphone, moi, c'est pour moi. Ce n'est pas le téléphone de l'État, parce que je n'ai pas de téléphone de l'État. L'État n'a pas payé le téléphone pour moi. Les bons citoyens, je ne vais pas répondre. S'il a dit, quand il joue un gros combat américain, vous la lâchez ça. Il dit, il y a des gens qui parlent. Mais Jésus de Nazareth, ou plus qu'à sensibiliser, ou pas moi, pas journaliste. C'est vous pour sensibiliser. Vagabond, bandit, dans le pays, il n'y a pas moi. Moi-même, je suis là pour arrêter. Je suis là pour faire la justice, punir. Un job, animer, sensibiliser, vous former. Et vous, évocation, la presse. Alors, suspendre, répéter que le fameux citoyen qui s'appelle Joseph Jout, de connivence avec vagabond, pas bien vagabond. Et il y a une raison, peut-être c'est ça seulement que nous nous disons, on salue, non, non, c'est nous-mêmes qui baillons un petit podium pour évoluer. Pas moi, pas moi-même. Nous avons toujours traité comme vagabond, comme bandit, et nous avons compris qu'il y a une quantité de menaces à faire chaque jour, mais à jouer avec nous. Alors tout dit nous ça. Gérer bandit, nous, chaque monde qui est le bandit, nous n'avons pas joue pas bien. Vous. Voilà, ça c'est déclaration Premier ministre Joseph Jouta. Chaque monde gagne ti lo bandi. Assurément, c'est vous gagne ti lo bandi pour même bagain papa, moi c'est pas gagne. Bagain. Donc le Premier ministre qui dit même clair sur ça, chaque monde gère ti lo au bandi. Pas une avancée avec ces déclarations Joseph Jouta les mêmes. Oui, c'est un pile déclaration pour aller n'a toujours été ensemble avec Premier ministre Joseph Jouta qui a annoncé mise d'identité vite machine toujours Kimber.
mais interdiction contre Port Saint-Marc à Cocapla toujours qu'un bétou. Chef CSPN a rappelé quantité d'amni saisi dans Port Sayo. Joseph ajoute fait qu'on est bandit toujours dit au pas déplacé qui donc c'est dans Port Sayo zami passé à quelques monde qui compte bayon côté yon l'autre fois premier ministre Joseph Jout. Nous-mêmes, qu'a encouragé vagabond pour des amis, pour des munitions, les mesures les plus drastiques dans le pays, les plus impopulaires, c'est Jout qui prend. C'est moi qui détente vite ma chaîne. Tout le monde sérieux d'accord. Tous les amis, bandits, ils sont la plus pas. Nous pas respecter et nous continuons à faire des autres toujours, mais ma croisade avec nous tous. Joseph Jout prend décision. Machine capote Zam, c'est ma. Je fais 16 ans déjà, c'est ma. Même monde qui directeur ABN ou bien directeur, quel que soit service là, c'est le lit de Batoa, c'est le lit de Batina, c'est le lit de DGIA, c'est le lit de tous côtés. Et ça fait des nous, c'est rat qui a mangé pas écaille. Et nous, on rate là tout. La ville du Cap-Haïtien, je fais 4 ou 5 saisies ans déjà là, dans le port Cap-Haïtien. Dernière saisie a lieu remonté à un mois. Le jeune conteneur, déjà me l'a donné. C'est le premier ministre qui est informé qu'on conteneur tel numéro qui est en train. Il a saisi le conteneur. Il a arrêté tout le monde. Le commissaire du gouvernement près du tribunal civil de Port-au-Prince, il a gagné le monde. Monsieur Jasmon est là. Mais comment est-ce qu'on est tous sur ça? Non, pas de rien. Il a mis l'autre conteneur pour 2 semaines après. Même nous n'avons tourné à l'évanil, il y a rearrêté. Monsieur Jasmin qui sont faits pour informer la population du Cap-Haïtien que il y a Pierre Jacques qui a brouté sa munition pour notre pays. Les bandits, les nous font une interview, non mais vous entendez. Si la blédi, il va révisé. Si la blédi, côté de jouer un gros comme américain pour la lâcher ça. L'ici, des gens qui parlent. Mais Jésus de Nazareth, ou plus qu'à sensibiliser, ou pas seulement par journaliste. 5h45. Voilà, c'était déclaration Premier ministre Joseph Jout. N'a fait qu'on est là, bien après appelé Premier ministre Joseph Jout.